Yop les potes, ici Smacky, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Pocket! Yo, Donc on vous Smicky. explique tout de suite, on est en skin. Comment ça s'appelle le skin tout pourri là? Alex, c'est Alex. Alex, du coup, parce que c'est un serveur crack et bon, bah voilà, c'est pour ça. Vous verrez pas Youpi, nos on est tout skins, moche. c'est On est tout dommage. moche. C'est tout moche. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto, bah Pocket, je te laisse expliquer, du coup. Donc oui donc donc on va se retrouver pour un tuto sur un pattern d'une façade de méga bulle manoir un peu en fait. C'est un manoir géant. On va pas tout faire d'un coup hein, puisque c'est assez grand. Donc c'est une façade de méga bulle que j'ai faite. Donc je pense qu'il faut commencer par l'entrée. Hein. Ça me semble logique. C'est clair. Pour cette chose, on peut faire avec World Edit pour les feignants et sans World Edit pour les pas feignants. Le plus galère ce sera pour les arbres, vu que moi avec Smacky on fera avec World Edit. Voilà Voilà. voilà. Bah merci. Donc. Merci d'avoir expliqué. De rien. Du coup, ben on commence par quoi? Ouais. Du coup, on va commencer. Ce qu'il faut toujours faire en architecture, c'est faire l'armature. Donc là, cette fois-ci, c'est en bois. Donc on va commencer par faire l'armature en bois. On fait ça en face ou à côté? Comme tu veux. Bon, je sais pas. Ça dépend de la place. Je pense qu'on peut faire ça à côté. Ok. Du coup, faut qu'on compte. Alors, la bûche. Entre les deux bûches, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, entre les deux bûches, il y a 11. Tu fais un côté, je fais un côté. Ok. Vas-y, attends, je me mets loin, comme ça. Hop, tu fais 11. Tac. Alors, bah moi je vais compter le truc. On va galère à monter, on va bien voir. 2, 4, 2, 6, 11, 11. Attends, il y a 11 au milieu. Attends, je préfère mieux recompter parce que Parce que de 4 et 8, c'est ça fait doucement un peu. Ok. bizarre. Donc j'ai choisi de faire un truc assez original, donc c'est partir en forme arrondie en fait, pour pouvoir faire des balcons. Du coup c'est carrément galère à reprendre. Ok, avance. Ouais, c'est. Mais non, mais non, mais non. I know, regarde, on va prendre sur cette façade-là. Dans la même forme faible. Ok, bon, moi je te suis parce que je l'ai pas encore 1, fait, du 2, coup je 3, sais pas. 4, 5. On va à droite. 1, 2, 3, 4, 5. On va à droite. 1, 2, 3. Ok. Donc ça fait 5, 5, 3 en fait. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Je vais mettre un joueur Voilà. 11. Comme ça. Bon, bref, ça fait un 11. On saurait que c'est un 11, voilà. ouais, du coup, parce que moi j'aime bien toujours mettre des trucs. Là, ça fait pi. Oh non, pas des maths. Je Bref. déteste les maths. J'aime pas les Bref. maths. Bon, la porte elle est pas très. Elle est belle, hein, mais bon. Donc, Ah, je vais le mettre en spin parce que sinon ça va pas aller. Oh, moi je m'en fous, je tourne pas. Hein. Donc, 1, 2, 3. Donc, après, c'est 1, 2, 3 à droite et 2, 3. Donc, en Moi gros, je te on suis. se fait. Attends. Ah, ok, c'est bon. En gros, là, on va partir pour faire le plus grand balcon. L'endroit qui sera au milieu au-dessus de la porte en fait. Donc là on va revenir en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là on repart pour remonter. Donc alors attends. Donc on fait 1, 1, 2, 3, Oh, 1, moi j'ai une 2, petite gorille. 6. Où? Ah, je me suis gouré. Alors là c'est bon. Ah, c'est à partir de là, ouais. Faut partir un petit peu sur le Non, c'est que ça côté. fait si regarde Luc. Tac, tac, tac. Je C'est pas suis bien. vraiment désolé. C'est. Allez. Je vais essayer de suivre en même temps. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Ça c'est pas lui qui vient de ce côté là. Donc Ça je 6, passe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Après, on revient en 5 et 5. 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Ça m'a l'air à peu près pareil. Je préfère mieux mettre ça pour pas me gourer. Ok, c'est bon. Après, on fait la même forme, on revient sur nous-mêmes. Oh, ça va. J'apprends à faire un manoir. C'est génial. Donc le manoir, je vais le continuer, on le finira bah, tout le long des tutos. Hein. Oh oui. La prochaine fois, on fera les deux fenêtres, là, la petite et la plus grande. Et on fera le dessus par rapport au pattern. Donc là, on va faire le gros dessus aujourd'hui. Oh ouais. Je suis très excité. Après, je vois ça. Donc là, on va faire... On va Voilà. encercler la porte. Donc... ok, là je suis déjà paumé. À partir du deuxième 3, on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, je pense que c'est bon. Déjà, on est pareil, c'est bon signe. Donc, on va faire. Ok, je me souviens déjà plus. Attends, je vais mettre en speed moi aussi. Speed. Parce que ça va mettre 2 heures, tu sais. Speed 3. Donc. Ah ouais, ok, c'est bon, je me rappelle. Donc, ça fait 1, Je vais mettre en deux, speed 3 aussi. 3. 3. Comme ça, regarde, ça fait 1, 2, 3, 2. D'accord. Ouais, Tac, en donc fait, ah oui 1, 2, 3, en en fait fait, 1, j'ai pas 2, dit c'est 3, et là vous rejoignez, et là c'est le milieu, il doit rester 3 milieux comme ça. ouf donc regardez à chaque fois on a un milieu donc je sais jamais si c'est pair ou un... non attends pair c'est 2 4 6 8 ouais donc faut toujours les patterns que les patterns soient impairs c'est toujours plus facile pour faire les toits ou tout simplement bah, la forme. Parce que Parce qu'en sinon, paire c'est ouais, c'est dégueulasse, ça rend c'est moche. des vieux quoi. Donc là vous voyez c'est un pattern pair donc c'est du 11 entre les deux. Donc c'est carrément plus simple. Bon. Exactement, il n'y a pas tort, faut l'écouter. Faut l'écouter. Si vous l'écoutez pas, mais ça va pas aller. Non. Partent en couille complètement. Ou sinon, vous avez la méthode, on finit le tuto en 2 secondes, position 1, position À 2, mort. copy-paste. Ah, il y a Donc cette là vous méthode faites, sinon. alors, là c'est tout en haut, vous faites position 1, ou en bas, position 2, vous faites copie, voilà le tuto est fini, au revoir. Au revoir, c'est fini. Bon, bah à la prochaine. Là je suis paumée, donc en fait on va faire des arcs de cercle pour pouvoir former les séparations. Ouais c'est ça, les séparations, ouais je vais faire les séparures. Et c'est pas rire. Donc, bien sûr, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc en gros on part sur la même base, sauf que je sais plus où je l'ai mise. Ah. Tac 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 tac. Je te Et paf. suis. Puf, 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 puf. Et normalement, c'est comme. Ok, good. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre pas du tout forme, mais c'est pas grave. Et on referme une dernière fois avec un pattern, hein, cette fois-ci un peu plus grand pour pouvoir vraiment fermer. Carrément là le mur cette fois-ci donc on part sur 1 2 3 là on fait que 1 1 2 3 et on ferme tout ça puisque après ça continuera comme ça en fait donc vous verrez Super, ça commence à prendre forme et j'adore ça. voilà Toujours le début, j'aime bien, c'est la forme du squelette, ça c'est super. ouais tu vois tellement c'est tellement ça qui donne l'idée du build après Ouais, exactement. pourquoi t'as fait des vieux trucs dégueulasses. Le mec ne En s'est fait, je pas voulais pas compris. prendre le bloc, tu sais, avec le bloc d'air et voilà quoi. Je voulais prendre un autre bloc, ça m'a donné de la stone et il y a le help machin là. Du coup, bah, je voulais Ah pas prendre ouais, ces c'est blocs là chiant. et bon. Alors attends, regarde ce qu'on va faire. Ça m'avait fait Voilà. penser à Eldonda au début là. Ouais, c'est un 1, les amis, c'est un 1. D'accord, donc dans l'autre sens ça fait 11. Ouais, moi je mets toujours un chiffre comme ça pour me souvenir pour pas recalculer après. Ouais bon Fox c'est 1-1, voilà. Ouais, voilà, Fox, faites pas c'est super. chier. Voilà. C'est 11, bordel. Ok! C'est Oh, c'est bon. beautiful! Ouais, bon bah voilà, vous savez comment faire un 11 en chiffre. Donc maintenant, donc ce qu'il faut toujours faire pour avoir plusieurs reliefs, c'est mettre en arrière. Donc cette fois-ci, oh les mobs par contre. Ils sont en Voilà. train de copuler Alors, les avec la spawns maison. se cassent. Donc pour bien former la porte, on prend un bois carrément plus foncé et on fait la forme
Et c'est du Bah, juste spruce. derrière la bûche, quoi. Je te C'est laisse du faire une dark moitié. oak wood plant. Parce que je suis en texture pack, du coup. Je Ouais. te dis. Non, moi, je suis en défaut, du coup, vu que faudra que je télécharge ton texture. Ce sera plus joli. Oui, surtout que c'est Et un cette A6B en fois-ci... plus, le texture pack. Ouais. Voilà. Donc, on est pas en mode World Edit, on l'a fait comme des pros. Oui, on n'est pas des feignants là. Nous Voilà. sommes français. Donc les trous, en fait, ça c'est pas forcément un truc, genre il y a des gens ils feraient comme ça. Des vieux trucs moches comme ça, et c'est pas forcément un problème, en fait faut s'adapter au Je pense build. qu'on speed parce qu'il fait chier de speed. Ouais. Donc je disais, il y a des gens ils font des. Genre ils auraient fait des trucs sur le côté, vas-y, attends que t'aies fini le build. Attends, je Ouais. vais t'aider. Ces connards, ils regardent. Vas-y, fuis. Ok, super. Là il y a Tu vois, genre, il y a des ça. gens. Tac, 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 tac. Tu vois, il y a des trous sur les côtés. Ben, voir là. Ouais. Tu sais, il y a des gens, ils pourraient boucher comme ça, mais il faut pas, en fait, faut s'adapter. Faut Oui, c'est clair. s'adapter Faut après. pas faire comme ça. Vous allez voir. Donc là, on a notre porte. Yes. Donc, Youpi. comme je viens de vous dire, on va s'adapter à la porte. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est très simple. C'est donc, je t'invite à venir me coller. Ok. J'arrive. Donc, on fait en arrière, donc comme je viens de vous le dire, donc on t'ouvre en reculant et on va venir marquer les bordures Attends, sans j'enlève les faire comme ça shaders en fait parce que parce sinon que avec ce c'est serveur, moche. hop. Ouais, vas-y. Voilà. Et je sens qu'elle va crier bonjour. On parie? Ouais, on parie. Je sais. Et on va faire. Et du coup, bah, comme je vous l'ai dit, on ferme toujours en On arrière. se met en arrière, Et comme ça. après, on décore comme on peut. Peut. Ruche. Et normalement, ça donne la même chose. Je cours. Je vole. Ok, ça Mais donne pas du tout ça, mais c'est pas grave. tu Si, c'est bon, traverses le mur, c'est bon. toi. What? Je t'ai vu Ah bon? traverser le mur, c'était chelou. Ah voilà, c'est bon. J'ai retrouvé comment faire, en fait, faut pas faire en arrière cette fois-ci. Bon, il y a des exceptions, après c'est avec l'habitude, hein. D'accord. On colle le tout pour faire comme ça. Voilà. Ah là là. Donc, C'est chelou dans ça. ce. Moi j'ai regardé d'abord comment t'as fait parce que. Coucou YouTube. Waouh, mon écouteur qui se bat en couille. Si je ne t'entends plus, nous allons être emmerdés. Oh mon Dieu, il a perdu ses écouteurs! Oh, Oh! mec! Je t'ai entendu, mais genre trop bien d'un coup, ça m'a fait Oh! peur. Peut-être que je parlais doucement depuis tout à l'heure, j'étais en mode dépressif et la note dépressive, C'est bah, ça. c'est pas bien. Mais je crois en fait mon écouteur était genre sur le côté. Attends, vas-y, parle. Allô? C'est Ouais, en fait, moi, c'était ça. Smacky! Enfin bref, on fait des tests en plein milieu. C'est Donc pas trop après, bah, on chelou. fait des fucking reliefs pour toujours boucher les trous. Donc j'ai visé un truc Merde. carrément simple. Ah d'accord, il Car j'ai était dit que... collé là. Du coup, ça. Ouais, en fait, comme j'ai dit. Ça, Et on ici. fait... Voilà. Voilà. Hein? Ça, c'est un trou. Voilà. Et là, je me suis planté. Excuse me. Non, en fait, voilà, on fait comme ça en fait. Ouais, Donc, voilà. on prend des petites barrières et des escaliers en bois de chêne. Donc c'est parti, escalier en bois de chêne. Donc bah attends, je vais attendre que tu les poses. Comme ça, je les prendrai. Non, le film. Merci. Donc, ce qu'on va Ah, faire, je c'est l'ai pas. pas. J'ai juste pas eu le temps de prendre ça. Voilà, c'est bon. Hop, hop. Hop, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller un escalier vers nous, au bloc, donc comme ceci. D'accord. On va en placer un à l'envers, comme cela. Donc, en gros, ça fait un espèce de signe. Ah De signe. oui, j'adore ça. Ensuite, on va placer une fence, et on va continuer toujours le même schéma. Sauf que cette fois-ci, on va arriver, on va dire, ah merde. Donc, comme je vous ai dit, on s'adapte, et bah, du coup, on fait dans l'autre sens, et ça tombe pile pour faire ça.
Et ça, c'est super. Ça, c'est la chance quand j'ai fait le truc. J'ai dit, oh yes. Et du coup, voilà, ça fait un petit décor. Mais après, on peut faire comme on veut. Hein. C'est juste une idée. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que j'ai adapté une glowstone, en fait, aux deux patterns. Ça éclaire les deux en même temps. C'est à la petite barrière, hop, ici. Ah, sympa. Comme ça, c'est, tu vois, c'est dans les renfoncements et ça éclaire la porte, Très en fait. sympa. Du coup, voilà. Donc, Alors ça ici, perd mon t'as temps de mis... vidéo, là. Hop. De quoi? Ça perd combien de temps de vidéo, tu penses, à peu près 10 minutes, 15? Désolé. Le frère qui intervient dans la vidéo, ça m'arrive tout le temps. Viens faire C'est pas la première fois. Il y a eu la soirée. Ouais, donc du coup, ça fait à peu près combien de temps? 15 minutes, 10 minutes? Je sais pas. Parce que je viens de capter qu'en fait, je pense que la porte sera bien. On et après, on aura porte. Tout le pattern encore à faire et il y a des trucs assez complexes en fait. Ouais, voilà, on finit la porte. Donc dans une porte, il faut toujours pouvoir l'ouvrir si elle est très grande. Donc on va faire des très grandes poignées qu'on va placer donc d'où l'utilité du impair. On va faire attends, donc c'est comme ça et comme ça, tu vois. Et alors, on va j'arrive. faire des grosses poignées comme ça. Donc D'accord, en gros, ok. le gros monsieur, tu vois, il peut choper sur le bois. Oh, voilà. Ok. Ah, c'est super sais sympa. Pas c'est quoi là. What? Ça va vibrer quelque chose? Non. Non? Du tout. Ok, allô? What? Je sais pas, il y a un bug, non? Ouais, attends. Ouh, ça doit venir de moi. Attendez, petite ellipse, ouais. On revient après. Eh bien, ouais, les amis, désolé pour cette petite ellipse, j'ai eu un petit coup de lag. Enfin, un petit coup, un gros. Voilà. Ça arrive à tout. Ok. Donc du coup sur les portes il y a souvent des gros clous donc j'ai choisi de mettre des petits boutons. C'est très donc au début en fait j'ai fait dans les coins en fait. Wow. Moi je vais m'enlever le speed. Hop. Donc j'ai fait comme ça, tac. Et après en fait on suit tout le long. Parce qu'en vrai ça pourrait choquer mais avec les autres. D'accord. Avec les autres trucs que je vais rajouter dessus, en fait, ça va pas tant choquer que ça. J'avais remarqué ça, c'était vraiment joli. Mais voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, je pense qu'on va placer le bois de chêne. Donc, bah, un petit motif, hein. Donc, alors, attends, ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc, alors, attends, faut que je me rappelle, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait comme ça, donc un petit motif pour décorer. D'accord, tac, ok. 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3. Mec, je crois que je m'en suis rappelé en mode normal. Oh, j'ai pris une mauvaise. Voilà. Forcément une faute. C'est du bois de chêne. Voilà, c'est sûr. Oh là là, je me suis. J'ai fonctionné avec du bois de chêne et du sap en fait. Franchement, ça rend super joli, on le voit vraiment bien. C'est beau. C'est beautiful. Et sur cette maison, j'ai choisi la nature un peu qui pend avec des espèces de grands de lianes en bois. Pour ça, j'ai mis ça à la porte. D'ailleurs, est-ce que ça ferait pas... Merde, ça ferait pas mieux comme ça. Ouais. Parce que regarde, j'avais fait ça en fait. Ah oui, d'accord. Limite un peu blindé, donc comme ça, ça fait là, bien. Mieux, ouais. Et on va mettre des trappes bah, pour décorer et pour cacher la lumière parce que le problème des architectes et des builders dans Minecraft c'est qu'il n'y a pas de la lumière transparente. Ça me fait penser à moi là. Ici des petites croix et on va placer une glow au milieu. Ok. C'est tout et simple. Après ici on va s'adapter en faisant ça. Hop. Et après il manquera plus qu'à faire le truc qui pend. Et qui rafle.
Oui, entendu le bon. truc qui pend là, ça m'a fait. L'espèce de liane en bois. Voilà. 1, 2, 1, 2, On n'est pas 3, mis pensé 1, à s'y 2, 1, 2, déplacer. 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ouais, en fait, ça fait. C'est pas très compliqué. Ici, là. Hop. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2. 1, 2, 3. Ok. 1, Alors, tu 2, l'as commencé 3. ici. Et il y a des trucs. Il y a. Il y a d'autres trucs qui pendent. Ne dis rien, Smikey. Ne dis Attends, du surtout coup pas. là ça fait. Voilà, c'est ici en fait. Hop, et on met un petit truc qui est des herbes. Et on descend un peu plus bas pour donner un peu plus de forme. Et nous rajoutons des petites barrières en cobble. Ok. Aux trois. Enfin, entre les Ah. trois, enfin, au milieu des impairs. Comment ça fait Rome. pas. Ah, attends, oui, c'est moi qui ai fait là, là ici. Voilà. Ah oui, voilà. Hop, merde. Hop. Ça fait chier cette souris. What? Ah voilà. Voilà. Comme ça. Et vas-y, place l'herbe. Et mais c'est mob. Il faudra qu'on mette en. Qu'on mette. Ouais, en c'est piscine, bizarre, moi, là, y a plus de mob dans va... ma map. Ouais, bah ouais, c'est trop chiant. Faudra que Oh, je c'est demande. beautiful. Donc j'essaye de le faire, donc je regarde s'il manque rien. Normalement il manque rien. Non, normalement je pense. Donc voilà, donc en fait, au fond c'est pas simple, c'est qu'il y a plusieurs couches et ça donne toujours plus de relief. Et c'est et beaucoup plus plus de joli. dureté. Donc là, il faut voir des vides pour ça, sinon vous adaptez comme vous voulez. Par exemple, comme ça, les bûches, regardez, hop. Ah oui, un replace. Mais sinon vous faites, alors je vais mettre la commande dans le chat, vous faites replace near de... Non, là je vais sélectionner la zone parce que j'ai les arbres là-bas, ça va tout changer sinon. Ah oui, c'est Donc en vrai. tout cas, vous faites, je vais placer, je, au pire, Smaki, tu mettras les deux commandes dans le dans la description. Ouais, voilà, ce sera Trop plus de simple. mal. C'est ce que je ferai aussi. Slash pause 1 et slash pause 2. Donc comme ça, hein, par contre, ça. POS 1, tout collé, hein. Et vous faites slash replace 17 par 17 de point 13. Donc les 17 de point 12, 13, 14, 15, c'est des blocs tout en bois. Comme les feuilles, les 18 de point 12, 13, 14, 15, c'est des feuilles qui n'ont pas besoin d'arbres, donc elles disparaîtront pas. Donc voilà, ça donne toujours un côté plus joli. Hein. Perso, c'est ce que je pense. Voilà, voilà. Bah moi j'aime bien, ça franchement, fait j'aime bien. Putain de slime. Voilà, perso, bah moi j'aime bien, c'est mon manoir en même temps. Ça me semble logique Moi de bien aussi aimer. J'adore ça. C'est super joli, franchement. Et la nuit ça donne ça, donc attention aux mobs. Donc voilà, la nuit ça donne ça en fait. Ouais, en plus avec le shader, waouh. Ah ouais, avec le shader ça doit rendre beau, j'irai voir ton rendu. C'est magnifique. Et j'ai choisi un peu de piquant pour le toit. Vu que j'aime le piquant, vous avez peut-être pu le voir, je sais pas si on le voit dans ta vidéo. Mais derrière l'espèce de pattern. J'ai fait du piquant. Donc voilà, donc, bon, je pense que cette petite partie, donc genre ouais, on fera tuto 1 la porte, tuto 2 les murs. Ouais voilà. C'est oui enfin, c'est tuto 1, les murs. Enfin, en plusieurs parts. On va s'organiser. On va s'organiser les amis. Sinon c'est vraiment vraiment magnifique. Hein. Merci. Bon, regarde, on voit bien le travail. C'est blindé. Hein. Ils sont pas allés sur les balcons. J'ai fait en sorte et qu'on en puisse plus, aller. Ça fait RP quoi. C'est... Et qu'on puisse tomber. C'est super. C'est <bon. rire> le mec et là, dessus, en plus, j'ai fait une mini porte. Si vous, vas-y, TP-toi ou je sais pas si tu sais où je suis. Je vais me TP parce que je t'ai perdu. Oui. Tac. Donc c'est regarde ici, là, j'ai fait deux mini poignées avec des. Ah, c'est sympa ça. Ça fait l'uniport, genre c'est le roi à genoux de toi devant moi, tu vois. Ah, c'est super. Ah, je kiffe sérieusement. Et voilà, voilà. Et en plus, on peut se promener en mode spider. Ce que j'aime vraiment, c'est genre cette petite barrière et derrière, t'as la fenêtre, tu vois. Moi, je kiffe. En fait, Mi, tu peux te cacher ici. Enfin, j'aime bien. Ah, c'est super. Mais... J'ai vraiment visé le reculer mais la barrière en fait.
Enfin, je me comprends dans mon vocabulaire. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment beau, franchement. En tout cas, c'est GG. Merci. Et il y a des mobs qui viennent en squatter encore. Et quand tu passes sur le côté, tu vois vraiment qu'en fait, y a vraiment. C'est vraiment plat, mais c'est reculé en fait. Ouais. Parce que ça s'arrête vraiment au niveau des bûches. Hein. Attends, je vais voir. Ouais, c'est. Là, si tu mets... Ici, regarde, si tu te mets là, tu vois que ça s'arrête que au niveau des bûches. Enfin bref. De toute façon, on le voit derrière, hein. Derrière, c'est carrément dégueulasse. Le principe d'un méga bus, c'est toujours dégueulasse. Ouais, derrière, ouais. C'est toujours l'endroit dur à cacher. Et pour le sol, j'ai fait un replay smear avec des pourcentages et tout, donc on mettra ça dans la description parce que c'est galère. Sinon, vous pouvez faire à la main, hein, largement à la main. Ouais, si vous avez le courage. Tout simple, vous prenez juste ce bloc, ce bloc, ce bloc, ce bloc. Attends, je cours avec tous les blocs à la main. Vous faites des trucs aléatoires avec ces blocs là, des trucs voilà. Non voilà, c'est carrément pas aléatoire, mais c'est pas grave. Donc voilà, bon bah je pense que c'est bon en tout cas. Oui. Je pense aussi. Bon, bah. Voilà, lui, hein, pour ses premières parties. Voilà voilà, bon bah écoutez, bah, je pense qu'on a tout dit. Voilà. Ouais. Ça fait trois fois qu'on dit voilà, mais c'est pas. Voilà. Bon bah voilà. Du coup, bon, bah, voilà. On va vous laisser et bon, on se retrouve pour la partie 2 du tuto bah, très bientôt et puis à très bientôt les amis, voilà. Salut.